L'écriture de Nostradamus était une écriture au cryptage complexe. C'est incontestable, j'ai découvert le secret d'écriture de cet homme. J'ai mis 36 années pour comprendre. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture complexe a été mise à jour. Voici maintenant la révélation du quatrain 8 de la 3e centurie. Voici exactement le quatrain numéro 8. Les cimbres huins, avec eux leur voix fin, de populer viendront presque l'Espagne, Jean Amafé, Guyenne et Limophin seront en ligue et leur feront compagne. Ce quatrain dissimule dans le premier degré la fin des temps. Nostradamus nous parle de Yahvé, il nous parle de l'événement qui se produira dans le rond nord. Il nous parle également des eaux hautes sur l'Europe. Il demande au monde entier de faire la paix. Nostradamus nous parle également de la première fin de l'humanité et il boit les eaux sur les industries et les centrales nucléaires. Il voit également les moqueries sur ses textes. Les autres paragraphes qui suivront le deuxième, troisième et quatrième degré nous révéleront bien d'autres événements. Voici la révélation du cryptage selon le premier degré. Ce sera le quatrain entier. Les premières visions feront entendre la première fin des temps ici même. Il faut élever l'heure des hommes pour l'URSS. Le cryptage sera cet art des mots qui fera cet ouvrage au pouvoir puissant. Ce sera l'essai de la connaissance de Yahvé qui a les yeux ici. En juin, nous entendons nettement l'union de cette thèse. Mais les hommes tiendront des négations en entendant ce pouvoir des mots qui donne ces récits. La connaissance sera le sommet mis par cette clé laissée, par ces usages qui étaient scellés. Naîtront ainsi les pages qui contiendra l'époque. J'ai épelé les mots et laissé les faits dans ce principe qui sera ce cryptage qui aura la volonté de voir la menace qui arrive. Son pouvoir sera proche et aura l'effet de raser et de resserrer le rond nord. J'ai la vision de l'existence des gens dans les Andes. Le délai sera dans l'air des mots. Il sera l'heure de ce réel relais pour l'Europe qui aura les eaux hautes. Vous devrez instaurer la paix dans le monde. De Dieu sera l'aide pour les défis de la finalité première de l'humanité. Les haines naîtront et deviendront les maux des hommes, par les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires et les industries. Dans cette lecture liée à cet ouvrage de vers poétique, moi le médecin, j'ai mis l'époque où sera tenue la naissance de la haine, par d'importantes chutes de neige. J'ai eu ces faits et bu les races et la famine en masse pour les peuples. J'ai vu l'âme des gens et par des scènes enneigées. Maintenant j'ai la naissance de l'épée de ce pouvoir, de ces pages, où seront les époques. J'ai la connaissance du sommet de ces mots. En tant qu'homme, tu auras des moqueries sur les valeurs de tes mots, et tu auras honte, car tu tiens tellement à faire ces heures avec honnêteté. Ces heures refaites seront le réel relais pour l'heure des hommes qui deviendra étroite. Ton époque sera accusée. J'ai eu la volonté de voir la menace et la malédiction de ton élection pour cette lecture liée par nos hautes et nettes tonalités. Tu auras la thèse sur tes heures d'existence et la faire connaître à travers cette connaissance afin de servir. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, je laisse les usages qui deviendront cet essai de la connaissance. Ici même, ce sera le sommet d'expression de ce premier pouvoir proche de l'ère des mots. Votre époque, par ses usages excessifs, sera rasée. Ici même, j'entends celui qui sera le premier, qui nettement fera ses thèses. Ce sera cela. En ayant eu, avec ses usages d'expression, cet essai qui est crypté, en ayant de cette œuvre l'ouvrage par l'usage, deviendra le pouvoir scellé de l'heure des hommes. Tu as l'ère des mots, les hommes les recevront. Tu verras et entendras les eaux ici même, ce sera la fin, qui sera scellée dans ses usages d'expression, dans ses usages laissés. Ce qui deviendra cet essai sera le sommet de ce pouvoir. En 2, seront des scènes de négation ici même sur l'aveu des eaux haussées. Ce sera vrai et vous verrez les rues et les ruelles laissées. Les hommes connaîtront ce cryptage, ainsi que la connaissance de celui qui est le premier. J'entends les haines ici même et je connais les haines des heures serbes. Mise ici sera la connaissance scellée qui laissera les scènes de haine, que fera l'eau haute. Ce sera dans le vrai air des mots. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré.
En un de Dieu sera l'épée de ce pouvoir puissant. Les peuples hurleront en ayant cette lecture de l'air des mots, en revivant les heures de ces visions. Lorsqu'ils auront les yeux sur les gens des Andes au moment de l'heure du rond nord, vous aurez ces heures nettement. Des pouvoirs par l'air des mots sont maintenant presque la totalité de ce cryptage. Tu as eu la volonté de voir la menace du monde. Celle-ci fut couverte d'un voile afin que ces notes laissées puissent faire, par l'usage, ces pages, indiquant l'époque de la géhenne qui arrive. Sera l'aide de Dieu, avertissant sur les dangers des puissances qui feront avoir les eaux sur les populations. De toutes ces foules, il ne restera d'aucun, et par quelques-uns en cette ère, la race peut revivre. En deux, la haine sera. Beaucoup nageront en cette époque. J'ai eu le pouvoir de faire cette élection pour cette lecture, qui sera la volonté de voir cette menace, cette malédiction contenue dans ce cryptage qui deviendra la connaissance des heures. Ton époque a le pouvoir d'exploser et provoquer la haine du rond nord. Par cela, vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. S'en suivra une seconde agressivité qui fera des Andes déviées. J'ai eu la vision de ces heures, de cette ère il ne restera aucun. Dans l'ère des mots sera la règle et les principes de cette lecture, dont le pouvoir élevé vient de Dieu. Votre époque en dépendra. Pour cela, j'ai fait par ce pouvoir cette élection pour la lecture de ce cryptage. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En un, vous les gens, j'ai fait ce jeu des mots à l'intérieur de mes écrits. Ce sera mon âme que vous aurez. Moi, j'ai amassé une considérable quantité de faits et les donné au premier qui refera les heures que j'ai eues en vision. J'ai vu les éléments se déchaîner en été. Il sera tel que je laisse la lecture de cet ouvrage de vers poétiques en mots qu'il faudra élever. Cette hardiesse ne sera que finesse, elle sera la première mise à jour. Seront les gens en haine contre d'importantes chutes de neige. En deux, seront ces scènes dont nous fîmes les mots, pour les hommes, sera cette puissante lecture liée à ce terrible été. Votre temps tiendra des haines qui produiront le néant en pleine nuit. Ce sera dramatique. De toutes ces nuisances, j'ai eu les visions. Et j'ai géré ces heures ainsi que leurs effets. Ces heures effaceront une grande partie des hommes. J'ai vu en premier cela. Mon âme sera en mes jeux de mots. Les gens verront naître les scènes qui seront par les eaux, allant sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires et les industries. Sera lié à cette haine des éléments, j'ai vu le néant dans mes visions. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En un, la connaissance des heures terribles sera dans l'air des mots que tu auras nettement. Sera l'événement du rond nord et son temps de haine par les eaux. Tout se liguera. Pour faire cette lecture, il faut vouer une fidélité totale et sans réserve. J'ai eu la volonté de voir la menace de ce tel été. L'heure de cette menace sera dans l'air des mots refait. Il faut refaire les heures de cette époque. Dans cette ère des mots sera expliqué le rond nord qui sera inscrit nettement dans tes thèses. Tes connaissances élevées seront le sommet des mots. Elles deviendront ces pages sur la géhenne qui naîtra. Ce sera l'essai de la connaissance. Dans celle-ci sera l'heure du rond nord. Tu auras nettement l'époque. En deux, vous aurez d'importantes chutes de neige sur Gap et ses environs. J'ai eu ce pouvoir pour ces mots élevés, où seront inscrits les mots des hommes par les eaux haussées. Il faut connaître cette haine du rond nord, car vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant, je vois votre air être rasé, effacé. Dans cet effet sera de faire ces heures et être le réel relais de l'air des mots pour que ceci soit dans les rues et les ruelles. Cette lettre de ce tel été ont été couvertes d'un voile pour ne pas être découvertes avant cette date. Tu agiles lentement la netteté de la tonalité, ainsi que ce terrible été par les haines du rond nord. En ces heures, vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant, je vois votre époque rasée. Je vois les heures de la herse, elle arrive. Et des scènes d'importantes neiges. J'ai eu ce pouvoir des mots. Dans ce paragraphe, Nostradamus dit « Tu as Gilles ». Gilles constitue mon troisième prénom. C'est plus facile d'écrire Gilles qui ne prend qu'un pied avec G-I-L que Patrick qui prend trois pieds, comme Nostradamus l'a fait dans les nominations de la prose et dans certains quatrains. Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde.
je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.